comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ah, en passant, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petits pouces, pour vos petits cœurs. Ça me fait toujours un immense bonheur de vous savoir présent. Aujourd'hui, la question d'ordre sexuel, parce qu'on est davantage dans la sexualité aujourd'hui, la question c'est, est-ce que vous aimeriez vivre une vraie complicité, une communion lors de vos relations sexuelles, vos relations amoureuses? Eh bien, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Parce que pour la première fois, il existe maintenant un programme pour vous montrer le chemin afin de vivre cette expérience qu'on recherche tant. Mais pour y arriver, il faut d'abord passer par quelques étapes. OK? Il faut faire d'abord certaines prises de conscience. Il faut expérimenter le plaisir des sens, mais de façon spécifique pour arriver à faire ces prises de conscience-là aussi. Il faut augmenter notre perception, notre réceptivité. Il faut parfaire nos connaissances aussi, autant en savoir-faire qu'en savoir-être sexuel, puis les mettre en pratique. Parce que tout ça, en fait, c'est une question d'expérience, d'état d'être, de savoir-faire. Puis, cette expérience passe d'abord par soi-même. C'est quelque chose que l'on vit pour soi et que l'on partage avec l'autre par la suite. Parce qu'il n'y a personne qui peut rentrer en communion avec l'autre s'il n'est pas d'abord connecté à soi-même. C'est précisément ce que je te suggère de faire comme expérience dans le programme Monter au 7e ciel. Tous les exercices qui sont proposés dans le programme Monter au 7e ciel sont faits en deux parties, toujours. Okay? La première, ça vise la personne seule, donc à le faire soi-même, seul avec soi-même d'abord. Pourquoi? Parce que tout part de soi. Et les autres exercices, ou l'autre exercice, à faire avec ou en présence d'un partenaire. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être en couple présentement pour suivre le programme. Parce que de toute façon, vous avez accès à cette formation à vie. Vous pourrez y retourner quand le temps sera venu et que vous serez en couple. Ou il y en a qui ont des amis, des personnes qui peuvent, avec qui ils peuvent partager ce genre d'expérience-là quand même. Et tout ça, c'est pour votre propre bénéfice, en fait. Hein. Vous allez le vivre avec une autre personne, mais ça part de soi. Beaucoup d'exercices à faire seul là-dedans. Demain, je vous explique pourquoi il n'est pas nécessaire d'être en couple pour vivre ce programme-là. En attendant, je vais vous inviter à visionner la vidéo que je vais mettre en lien en dessous. C'est une vidéo de présentation de Monter au 7e ciel, ainsi que le webinaire gratuit qui concerne également le programme Monter au 7e ciel. D'ici là, ben moi, je vous dis bye bye et à demain!